Tidiane, modification de taxe. Modification du taux de la taxe d'aménagement sur le territoire communal. Et au code général des collectivités territoriales. Et l'article 28 de la loi des finances, rectificative numéro 20-10-1658 du 29 décembre 2010. Puis le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L431-1 et suivants. Vu les délibérations numéro 3 et 4 en date du 18 novembre 2011, instaurant respectivement la taxe d'aménagement sur le territoire communal au taux de 5% et au taux de 8% dans le quartier des Clos Fleuries, considérant qu'il n'y a plus lieu de maintenir le taux de la taxe d'aménagement du quartier des Clos Fleuries à 8%, vu l'exposé des rapporteurs, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le taux de la taxe d'aménagement à 5% sur l'ensemble du territoire communal. Précise que la présente délibération est valable pour une durée d'un an reconduite classiquement. Elle sera transmise au service de l'État conformément à l'article L331-5 du Code de l'urbanisme. Alors, donc vous vous souvenez, hein, c'est la taxe ponctuelle que les gens payent avant de payer les impôts locaux quand il faut construire sur un endroit, et ça a été, il avait été donné par. Ça nous avait donné la possibilité de bouger ce taux. Donc nous, on était au taux de 5% sur toute la commune, qui est le taux minimum, et on peut varier ce taux jusqu'à 20%. Donc, il avait été choisi pour le Clos Fleuries par rapport au programme de construction, de le porter à 8. Et comme aujourd'hui les constructions sont terminées, on le redescend en taux normal, c'est-à-dire à 5. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. C'est une régularisation, hein, parce que c'est un peu donc c'est quelque chose, il n'y a plus de terrain disponible sur l'endroit, donc il n'y aura plus de construction, donc ça ne générera plus, ça ne générera plus de taxes. Y a-t-il des votes contre? De l'abstention? Adopté, merci.